Suite de l'explication du livre Les leçons importantes à l'ensemble de la communauté du Shir, l'imam Abdul Aziz ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, commentaire du Shir Haytham Sarhan, Hafidahullah. La troisième leçon, Arkanul Iman, les piliers de la foi. Ils sont au nombre de six, que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon ou mauvais. La définition de la foi religieusement. C'est une parole avec la langue, une conviction avec le cœur et des actes avec les membres. Elle augmente par l'obéissance et diminue par la désobéissance. Les preuves de cela? La preuve de la parole. C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa branche la plus haute est de dire « La ilaha illallah » « Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah » La preuve des membres. Toujours le même hadith, la plus basse est d'enlever une nuisance sur le chemin. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ La preuve de l'action du cœur. Toujours le même hadith, la pudeur est une branche de la foi. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ La preuve de l'augmentation de la foi maintenant. C'est le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset du Coran où Allah dit أيكم زادته هذه إيمانا Quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi? Et la preuve de sa diminution, un hadith prophétique, lorsqu'il dit Je n'ai jamais vu celle dont la foi et la raison diminuer, etc. En parlant des femmes, ما رأيت من ناقصات عقل ودين